commencent les grosses congères. C'est juste la haute montagne, quoi. Truc de ouf. Attends, avec ta luge. Pas le seul à connaître cet endroit. Ça, tout ce que vous voyez là, où il y a des arbres qui sont plantés. Et tous ces arbres plantés là, tout ça, ça a été de la terre, des gravats qui ont été ramenés par différentes entreprises dans le cadre d'un enfouissement de gravats. Ils ont créé une montagne. On est à Montmorency dans le Val d'Oise. S'enfoncer. Putain de Dieu. Voilà. On a tout ça ici. Ils ont construit une montagne, les mecs. Les amis. Alors, je vous dis, on est dans le coin le plus haut de toute la région. Une dinguerie. Côté là. On découvre, on est à l'altitude. On est assez haut, quoi. On va être à peut-être 350-400 mètres d'altitude. Voilà. J'ai pris quelques petits risques en prenant ma voiture dans des conditions difficiles pour vous emmener là, vous montrer que ça existe. Regardez là-bas, je vais essayer de zoomer, je n'arrive pas. Tout est enneigé, des kilomètres à perte de vue, il y a de la neige partout, j'ai jamais vu ça. Là j'ai un autre point de vue, je vais vous ramener par là. Là qu'est-ce qu'on va voir ici? Vous voyez, on est toujours à l'entête là, vous faites le tour, il n'y a rien de plus haut. Vous voyez, il n'y a rien de plus haut qu'ici. Il y a quoi sur ce point de vue? Et regardez les congères. Regardez les congères qu'on a ici. Ah, c'est pas 20 cm de neige qu'on a là. On est bien dans les 50, 60 cm, même plus. J'aurais 80 cm. Ah bah oui. Alors s'il n'y avait pas les arbres ici, vous seriez devant la tour Montparnasse. Elle est là, la tour Montparnasse. Bon, il y a des arbres devant. Là, vous avez la tour Eiffel ici. Voilà. Dans la forêt, le quartier de la Défense, c'est par là-bas. La Défense, le Panthéon, la Tour Pleyel, tout ça, tout ça. On va aller voir l'autre point de vue là-bas. Oh purée, waouh, je m'enfonce. Oh là là, oh là là, la hauteur de neige, c'est dingue. Dingue. Ah, il y a du vent, hein. Purée. Il n'y a rien qui arrête le vent ici. Waouh. J'adore Men's Vest Wild. Non, on a une température de... on doit être à moins 4 là, à moins 5. C'est pas énorme, ça continue à cracher un peu de la neige. Oui. Bon, alors, je crois que le plus gros est tombé. Regardez-moi ça. Il va falloir que je n'étends le plan du point de vue. Parce qu'il est recouvert de... neige. Regardez en face. Je sais pas si vous voyez, j'arrive pas à zoomer. Je nettoie le point de vue. Là on est sur le nord. Je donne direct sur le nord. C'est pour ça qu'on se prend un petit vent sympa. De loin en France, Viarme. Là vous êtes sur toute la vallée. La vallée qui va de la Croix Verte, l'aéroport, Charles de Gaulle. D'ailleurs on a un copain là-haut, je l'entends. Je sais pas où il est. Il est encore au-dessus de certains nuages. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. On est bien là, hein. Voilà. Voilà, et ça, là, sur ce sur quoi je marche, je vais vous montrer le dénivelé. Voilà le dénivelé. Donc là, on est sur de la pente à peut-être 35 degrés plus. Non, 35 ou max, peut-être plus. Je sais pas, tiens, il y a encore des promeneurs là-bas. Finalement, le coin est assez connu. Même le chemin, là, je vais venir en ski, mais bientôt, il va y avoir un téléphérique, des tire-fesses. Je vais devoir acheter un forfait. Et bien tout ça là sur quoi je suis, tout ce qui a été construit ici, rapporté, ça a été des chantiers de construction, voyez-vous, de destruction,
gravats. Regardez-moi cet homme qui fait son petit footing comme ça, là, la belle. Hein, il est pas belle la vie. Normal. Je suis étonné de pas encore avoir vu des surfeurs. Voilà quoi. C'était pour vous montrer cet endroit magnifique. Et je suis pas déçu parce que je me demandais à quoi ça allait ressembler en venant ici avec la neige. Ça ressemble à ça, il y a des gens, quelques promeneurs qui viennent. Alors tout ce chantier là d'enfouissement, et maintenant il est fermé, et il est destiné à plus tard, comme vous avez vu, il y a des arbres qui ont été plantés.